suis né à Albi en 1963, dans le Tarn, dans le sud-ouest. Et donc j'ai fait mes études d'art plastique à Bordeaux, puisque je suis professeur d'art plastique à Propriano, Pétrette et Sainte-Marie-Sichet. Comment je suis arrivé en Corse? C'est que j'ai fait mon stage donc, lorsque j'étais capétien, donc des diplômes en Corse, et j'ai rencontré mon épouse qui est rentrée également du continent, donc qui est Corse, Laure. Et on s'est installé ici. Et donc j'ai commencé à avoir une production quand j'ai eu mon CAPES, plus personnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce que je vivais. Jean Monestier semble écrire le corps en mouvement. Des lignes sinueuses jouent au travers de couleurs aquarellées et des effets de transparence lumineuse. Il nous présente des enfants, des femmes, des couples, des animaux, des êtres mythologiques, sortes de scènes de vie. Tous semblent se dissoudre dans la lumière ou disparaître dans la pénombre. Il veut donner l'illusion de la vie, créer un rapport naturel entre ces personnages où les crises et les pleurs se mélangent au bonheur. Je travaille par terre horizontalement. C'est une aquarelle géante. Et avant et après, je dessine beaucoup au fusain, au feutre. Donc c'est un travail graphique et en même temps basé sur la transparence. Mes corps, on a l'impression qu'ils pourraient s'extraire du fond. Et puis il y a des éléments petits, grands, il y a un travail sur l'échelle, sur l'espace. C'est-à-dire quand on regarde mon travail, on ne peut pas tout saisir à la fois. C'est un peu comme avec un appareil photo, il y a un flou, il y a un zoom, il faut arriver à se faire soi-même sa netteté. Voilà. Et quant au support, c'est vrai qu'il y a la toile, mais il y a aussi le bois, puisque j'ai fait mes personnages, mes enfants, je les ai découpés dans du bois, comme un décor de théâtre, pour qu'ils aient plus de réalité. Ils sont tout plats, mais en même temps, c'est quelque chose que je peux déplacer, que je peux installer. Au départ, je ne m'en rendais pas compte, mais dire dans les images quelque chose que j'ai en moi, qui au départ peut-être est inconscient, mais qui va apparaître avec ma famille, avec des impressions, voilà. Il n'y a pas de titre souvent dans mes œuvres. Le titre allait bloquer le sens. Chacun doit pouvoir s'y projeter. Quand je fais mes enfants, mes filles, comme m'ont souvent dit des personnes, ils y voient leurs enfants. Et là, je me dis, c'est réussi. Jean Monestier est né à Albi en 1963. Il enseigne les arts plastiques à Propriano et vit à Olmeto. Quand il n'enseigne pas, Jean Monestier crée inlassablement. La progression de son œuvre est rythmée par les événements de sa vie. Son mariage, la naissance de ses filles, leur enfance, leur adolescence. Il puise aussi son inspiration dans la mythologie ou dans la nature, utilisant divers supports, toiles, papier, bois, pour projeter son imaginaire. Je prends un objet déjà qui existe en volume et je projette quelque chose dessus. J'ai même travaillé sur des eaux. Des eaux que j'ai très secs, j'ai récupérées sur les plages, dans le maquis. Mais là aussi, quand je récupère un objet, je ne vais pas travailler dessus. Je peux rester des mois ou des années cet objet dans l'atelier. Et un jour, c'est le moment, je sens que je peux faire quelque chose qui doit rester, qui sera fort. Surtout faire une œuvre, quelque chose, une image qui ne laisse pas indifférent celui qui va regarder. On aime ou on n'aime pas, mais ça ne doit pas rester indifférent. Une fois, donc, on était à la mer avec mes filles, et j'étais sous elles, donc sous l'eau. Je lève la tête et je vois leur corps, leurs jambes, en train de voler dans l'eau. Il n'y avait plus de pesanteur. Et donc, j'ai dit, mais c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai pris des photos sous l'eau. Donc, ce qui est intéressant, parce que sous l'eau, il y a souvent des reflets. Il y a la mer, on ne voit pas très bien ce qu'on prend. Et donc, il y a des transparences. Et à partir de ça, donc, j'ai pu travailler sur des découpes, des gestuels.